Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reviens, je vais faire avec vous une carte avec les fonds qu'on a fait cette semaine. Donc, juste vous montrer, j'ai déjà découpé ma base de cartes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais quand j'ai fait mon fond, ça a fait des petites bulles sur les côtés. C'est pas grave. C'est ça qui arrive quand on utilise un stencil. Des fois, ça, on voit un petit peu le détail après. Alors, tout ce que je fais, c'est que je prends une lime. Puis ça, là, c'est une lime à faux ongles. Donc, ça lime très, très bien. Et je viens juste enlever le plus gros. Je ne veux pas nécessairement tout enlever, mais juste qui dépasse vraiment. Bon, ici c'est bon. Je vais coller avec mon ruban de face. Là, je vais juste voir sur quel côté je trouve ça plus beau. Je pense que j'aime mieux ça sur ce sens-là. Et voilà. Si vous vous demandez, si vous entendez de la musique en arrière, puis vous vous demandez c'est quoi, c'est un poste de radio que j'ai trouvé que c'est toute de la musique celtique. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, c'est sur Internet, c'est sur Accurate Radio. Puis, vous avez plein de genres de musique. Puis, je trouve que ça fait changement un petit peu. C'est pépé comme musique. Puis, c'est des histoires, fait que j'aime ça. Celle qu'on entend, on dirait qu'un petit peu western, là, mais bon. Et voilà. Donc, que je me rappelle, ah oui, c'était sur ce sens-là. Mais un petit peu magané ici, fait que je vais le mettre finalement sur ce sens-là. Bon, c'est sûr que pour vous, il n'y a pas une vraie différence. Là, je vais juste être sûr le sens que ma carte ouvre parce que ça m'arrive souvent. Ah! Là, je vois aussi que mon papier a un petit peu effiloché quand j'ai coupé. Alors, on vient faire la même chose avec la lime. Ça enlève toutes les petites imperfections du papier. Et voilà. Oups, il y en a ici. Ça, c'est parfait comme ça. Bon. Là, je vais juste m'aligner. J'ai soufflé sur mon papier parce que j'avais un petit bout de colle. J'ai fait, vous allez voir, je vais vous le montrer là. J'ai fait des découpes que j'ai reçues. Puis qui vont me servir pour ma base, pour ma carte. J'essaie de me mettre droit. Ok, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai reçu, je vous disais, un dies de chez AliExpress que j'adore. Ça fait ces petites fleurs-là. Excusez, justement, j'ai une tige. Ces petites fleurs comme ça. Et je trouve ça superbe. Donc, pour ma carte, j'ai fait un ensemble de trois que je vais venir poser. Je vais juste être sûre que ma tige est bien. Oui, comme ça. Donc, avec ma colle, je vais venir mettre des points. J'aime beaucoup faire des découpes comme ça. C'est un peu comme faire des casse-têtes. Il
faut savoir quelle pièce vaut où. Puis, j'aime bien ça. Mes animaux que je fais, c'est aussi la même chose. Celui-ci, je manque de colle. Et voilà. Donc, je me repositionne pour que ça me convienne. On appuie pour que ça adhère. Je veux pas que ça adhère partout parce que je veux garder l'effet épaisseur. Donc ici, ça manque de colle un petit peu. On va en rajouter. J'en mets assez épais parce que ma mousse a fait une épaisseur. Donc, il faut que je mette pas mal de colle pour que ça adhère. Ici, j'ai une petite feuille qui retrousse. Et voilà. Comme ça. C'est bon. Ça a l'air surélevé, mais ça tient bien. Oups. Puis, toute simple, vous savez, moi j'aime ça la simplicité. Je me suis découpé un petit mot pour venir coller ici, comme ça, qui dit « Je pense à toi ». Je voulais pas le mettre dans le haut parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans le haut. Tiens, je vais même en profiter pour cacher ce que je trouve pas beau ici qui est un petit peu magané. Je vais en cacher une partie. Donc, je suis en train de me dire que non, finalement, non, ça va être trop. Ça va être trop. Puis des fois, trop, ça vient tout gâcher. Donc, à mon goût, je la trouve parfaite comme ça. Fait que là, il va me rester juste à marquer, à mettre à l'intérieur avec un petit texte. Puis là, je suis en train de voir est-ce que c'est croche. Je pense à toi. Non, il n'est pas croche. C'est une illusion d'optique. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très beau. Je crois que je vais vous mettre le lien pour... ça se peut que ce ne soit plus là, là, mais ça va vous donner une idée du texte pour la fleur. Je trouve ça vraiment beau. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tout petit vidéo, mais je voulais vous montrer quelque chose que je fais avec mes fonds de mousse métallique que je vous ai parlé cette semaine. Alors, ça vous donne un aperçu de ce que c'est. Je vous souhaite une très belle journée, puis j'espère que vous allez en profiter. Merci, bye bye!